Christelle ici à Montreux. Comment c'est jouer ici à Montreux pour vous et votre équipe nationale? Bon, c'est clair, c'est incroyable de jouer ici. Je pense qu'on est toutes venues en tant que filles. Et là, c'est la deuxième année qu'on peut vraiment jouer sur cette courte. Et la troisième année qu'on fait partie un peu du tournoi. Donc c'est une chance énorme et on est super excités et contents de jouer ce soir. Comment c'est aussi jouer contre des équipes très fort aussi comme le Brésil? C'est difficile aussi de se préparer pour un match comme ça. Ouais, je pense qu'il faut vraiment changer un peu l'approche du match. Donc, il faut vraiment se dire qu'il faut gagner des petits duels qu'on a entre nous. Par exemple, faire un bon service contre une réceptionneuse. Une fois essayer de bloquer, une bonne défense. Et c'est comme ça après que nous, on peut aussi être contents et gagner quelque chose dans ce match. Donc, ouais. Et comment on peut se préparer avec ces joueuses très jeunes encore que vous avez dans l'équipe? C'est difficile de se préparer comme ça. En savant que l'adversaire est très fort et aussi avec beaucoup d'expérience. Ouais, je pense nous en tant qu'équipe nationale déjà on est jeunes, donc on a toutes besoin de compétition à ce niveau-là, donc c'est bien pour tout le monde. Après aussi pour les toutes jeunes, c'est-à-dire que c'est bien chaque match sur un parquet international, c'est une expérience et ça va nous rendre meilleurs. Donc j'espère aussi que l'année prochaine on aura plus de compétition avec l'Euroleague et plus de matchs de préparation pour que vraiment tout le monde ait cette habitude de jouer à ce rythme-là. Et comment on peut aussi préparer pour ce tournoi ici, quand on avait déjà joué la qualification pour le championnat européen? C'est difficile aussi de se préparer seulement avec un ou deux jours de préparation. Ouais, bon, je pense que nous, vraiment, le but ici à Montreux, c'est qu'on se présente bien et qu'on travaille à fond sur le terrain, qu'on essaye de toucher toutes les balles. C'est pas le même objectif comme quand on essaye de se qualifier pour les championnats d'Europe. Je pense que Montreux, c'est un tournoi où vraiment nous, on est intégrés et on est invités parce que c'est la Suisse qui organise. Donc, il faut vraiment qu'on profite de ce tournoi. Comme tu dis avant, il y a des autres objectifs dans ce match que dans le match où vraiment il faut gagner. Comment c'est aussi avec les spectateurs? Vous êtes prête pour ces spectateurs phénoménales ici à Montreux? C'est clair, bon, on n'est pas prêt, on a besoin de ces spectateurs qui nous soutiennent un peu et qui nous encouragent parce qu'on va quand même jouer contre le champion olympique. Donc, je me réjouis qu'ils viennent et qu'ils nous soutiennent. Et l'année passée, c'était incroyable, donc on espère qu'on va pouvoir faire plaisir. Okay, merci, Christelle, et bon match.